ce moment d'entretien, Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci pour la manifestation de ton pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de te manifester au nom de Jésus, de nous bénir. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Ouais, c'est vraiment important de comprendre un peu pourquoi vous êtes là, pourquoi nous sommes là, pourquoi on a besoin d'un entretien. Parce que la foi vient de ce qu'on a compris. Voilà, quand vous comprenez quelque chose, ça va très vite. Et quand on ne comprend pas, c'est difficile de comprendre. Surtout le système prophétique, il est un système qui est difficile à cerner. On est habitué aux prêtres, on est habitué aux pasteurs. Mais le ministère prophétique, c'est vraiment quelque chose à difficilement cerner. Comme de coutume, tous les jeudis, de 14h à 20h, de samedi aussi, vendredi également, samedi, dimanche. Maintenant, dimanche, il y a les cultes. Voilà, des cultes de 14h à 20h. Maintenant, les entretiens, comme vous le savez, c'est suffisamment d'appeler. Vous appelez pour qu'on puisse, n'est-ce pas, vous mettre dans le rendez-vous et puis vous recevoir. C'est un moment d'échange avec le prophète. On a compris que juste après le culte, c'est épuisant de recevoir des gens, parler avec vous, c'est difficile et tout ça. Il fallait qu'on trouve un moment pour qu'on parle beaucoup. Amen. Et qu'on échange sur la spiritualité. Amen. Voilà. Un prophète, c'est, n'est-ce pas, un guide spirituel. Un prophète, c'est quelqu'un que Dieu a établi, qui est l'oreille et la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Et ici également, c'est une église pentecôte. Donc, beaucoup de questions, les gens me posent la question, est-ce que quand tu vas rentrer, l'église va se fermer? Il dit non, l'église ne se fermera pas. Et puis d'ailleurs, je suis établi sur cette église. Voilà, maintenant, on a maintenant une église sur Paris. Au départ, je louais les salles. Et quand je viens, on fait des programmes. Mais en même temps, pendant les évangélisations, on a gagné des âmes. Il faut les âmes, il faut les entretenir, il faut les mettre quelque part. C'est ça qui est plus important. On a beaucoup d'enfants spirituels qui aimeraient bénéficier de la connaissance spirituelle et tout ça. Effectivement, comme j'ai l'habitude de dire aux gens, quand j'étais à Abidjan, à un moment donné, j'ai fermé. Au fait, là-bas même, j'ai arrêté carrément parce que c'était un ministère, c'était pas église, c'était un ministère. Tous les dimanches après le culte, les dimanches soirs, tout le monde venait. Quand les gens finissent de faire l'église, ils venaient chez moi. Parce que on avait un message, c'était vraiment puissant. On expliquait beaucoup de choses sur la sorcellerie et tout ça. J'avais au moins 1000 fidèles. Et puis à un moment donné, le Seigneur a dit, va au village. Et quand je partais au village à Zaroko, tout le monde dit, oh non, lui là, c'est fini, il est mort, il n'a plus d'onction. Abidjan ici, il est resté, il parlait, on le voit à la télé. Non, c'est pas une question de voir la télé. Il avait un truc ici, il quitte Abidjan, il va au village, mais c'est fini. Mais moi j'ai un employeur qui est Dieu. Comprenez, moi j'ai un employeur qui est Dieu. Là où il m'emmène, c'est là-bas que je pars. Si aujourd'hui j'aimerais qu'il soit au Brésil, j'irai au Brésil. Tout dépend de lui. Amen. Amen. Oui, parce que comme je disais, il m'a affecté à Divo, à Zaroko. Je suis parti. C'est comme un instituteur, on t'affecte aussi dans telle ville, mais tu seras obligé de partir. Sinon, tu es radié. Voilà, donc Dieu, dans sa souveraineté, nous autres. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui marche selon l'esprit, on sait pas, on sait d'où il vient, on ne sait pas où il s'en va. Donc l'église de Paris est vraiment révélateur. Ça permet aux enfants spirituels de venir bénéficier de beaucoup de choses. D'ailleurs, pour comprendre que après les croisades, il faut réunir des gens. Et puis gloire à Dieu, on a aujourd'hui beaucoup de fidèles. Amen. Qui sont en train de bénéficier. Heureusement, viens. Elle aussi, elle a un ministère. Hein. Voilà, je ne sais pas quel jour elle va nous partir, mais on est ensemble pour le moment. Voilà, donc c'est la sémence de Dieu. Voilà, c'est la sémence de Dieu. Et nous sommes en train de prier pour que Dieu suscite des gens parmi vous. On a le grand diacre, monsieur. Voilà, on a le grand diacre. Voici aussi quelqu'un que Dieu m'a mis à cœur d'aider. Et puis voici quelqu'un, voici nos responsables. Bon, en fait, on tient beaucoup. Voilà, beaucoup de responsables pour dire une église, c'est celle-là qui a la capacité, n'est-ce pas, de former des gens. Et d'aller dans l'arrêt des diacres. Je ne le connais pas, ou bien. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc, il faut que les gens comprennent la spiritualité. Il faut que les gens grandissent dans la foi. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'église établie sur Paris, gloire à Dieu. Maintenant, ceux qui veulent nous recevoir en privé, c'est ce qu'on fait, c'est un rendez-vous. Vous prenez le rendez-vous, on exerce le ministère, jeudi, vendredi, samedi. Et en particulier, ce samedi, l'endroit, la rencontre avec les femmes. Nous allons prier beaucoup pour les femmes parce que c'est aussi un souci. Le problème de foyer et tout ça, c'est vraiment un souci. Ici même, c'est grave. Amen. Ici même, c'est trop grave, problème de foyer. Non, on n'a pas de mari. Toujours, c'est le sujet qui revient. Il a fui,
Il allait où? Il a bourri, il est parti. On ne sait pas où les sorciers l'ont fait fuir. Je l'ai chassé parce qu'il s'est mal comporté. Parce que les gens aussi, ils ont un vilain comportement. C'est vrai aussi, ils ont aussi un sale comportement. Amen. Mais une femme est à l'aise quand elle est un homme. C'est comme aussi un homme, quand il rencontre la femme de sa vie, mais c'est fini. Le bonheur, c'est ça, de rencontrer une personne qui peut nous rendre heureux. Voilà, c'est vraiment important. Et c'est pour cela que nous allons prier, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens, tu ne peux pas t'en passer d'eux. Ça veut dire qu'ils t'apportent du bonheur. Oh, et par les gens, pour les oublier, c'est facile. Ça veut dire que le monsieur, c'est une charge, c'est une migraine, c'est sorcellerie. Tu vois son image, mais c'est sorcellerie. Donc, il faut qu'on prie pour vous, parce qu'aujourd'hui, la bénédiction, c'est le foyer. Voilà, c'est le foyer. C'est pour ça que en septembre, je commence par le premier entretien avec les femmes de l'église. Et encore, je vous invite le 6 octobre 2018 ici. Nous allons organiser un grand événement pour contribuer, aider les enfants de la fondation. Nous avons une fondation, la fondation prophète Joël Crasso, Espoir de vie. Notre fondation consiste à encourager les enfants à aller à l'école parce que c'est vraiment important. Le problème d'Afrique, africain, c'est éducationnel. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Moi, j'en sais quelque chose. Aucun parent n'est motivé. Moi, j'en sais quelque chose. Et ça ne leur dit rien. Ils vont carrément dire aux enfants, prends ton... qu'on appelle le... Parce qu'ici, hein, ici, chacun va avoir sa tenue. Hein. Oh, là-bas aussi, il y a des tenues, qu'on appelle ça les kakis. Tu vas voir le petit, c'est ventre. Les deux paires de fesses sont comme ça dehors. Et c'est ventré. C'est-à-dire, là, pour l'année dernière, là, il a ça. Et la poche même est sortie, les boutons même, on ne sait pas où c'est parti. Je ne sais pas si le petit l'a mangé ou pas. Mais tout est bizarre sur lui. Encore, il n'a même pas de chaussures. C'est pour ça que l'année dernière, je crois, l'année surpassée, on a eu une vaste campagne, on a eu un don de chaussures, de 4000 chaussures, on a chaussé les enfants. Parce que les Africains, ils ne pensent pas à demain. Oh, les enfants qu'aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui arrive à Abidjan, les enfants microbes, les enfants confient la loi. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Le vrai problème, c'est qu'on ne pense pas à demain. Donc, il faut commencer à former les enfants pour ne pas qu'ils soient en conflit la loi. Et c'est pour ça que ma fondation est en train d'aider des gens. Et encore, elle est représentée ici. Elle est représentée ici en Espoir de vie Europe. Voilà. Donc, on a des papiers. Donc, on lance Espoir de vie. Et Espoir de vie a réfléchi Europe pour soutenir. Parce que c'est à fond propre. Hein. Tout ce que je fais, les 19 millions par an, le budget, c'est à fond propre. Vous allez me dire quoi? Le prophète ici, c'est un homme d'affaires. Amen. J'ai fait aussi le business, j'ai ma société, j'ai mes affaires à côté. Parce que si je veux regarder seulement les offrandes, je serai voleur. Mais je fais des affaires. J'ai mes champs de j'aime. Je suis dans le business de l'or. Je suis dans la vente de voitures. J'ai fait la location de la sonorisation. J'ai un studio d'enregistrement pour ceux qui veulent enregistrer la musique. J'ai aussi un drone. J'ai aussi une caméra. J'ai aussi une régie pour faire les clips vidéo et tout ça. Voilà, donc c'est tout ça. C'est tout ça que je mets au service de l'être humain. Parce que c'est important d'aider les gens. J'ai toujours dit aux gens, aidez plus les gens. Mettez votre énergie en temps d'aider des gens qui de la nuit. Vous m'avez saisi? Mais oui! On a combien de temps à vivre si c'était? Que chercher à s'acharner si les gens cherchaient à la nuit? Il y a des gens, tout leur esprit, chercher à la nuit, chercher à nuit. Moi, je mets mon énergie à aider les gens. Parce que c'est ce qui va porter demain. Parce que le péché, c'est la mort. Vouloir nuire à quelqu'un, tu vas mourir un jour. Et tu rendras un jour compte à Dieu. Or, l'œuvre que nous posons sur cette terre sera de compenser là-haut. Or, Dieu tient compte à ça. Qu'est-ce que tu as fait à l'autre? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as été au service de l'autre? C'est ça la vraie religion. C'est ça la chrétienté. C'est ça, on dit connaître Dieu, c'est se mettre au service de son prochain. C'est ça, dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comme je ne veux pas que mon prochain, l'enfant, les enfants surtout, moi ma cible c'est les enfants. Voilà, je ne veux pas qu'on touche aux enfants. Parce que si on les néglige demain, nous aurons un continent, n'est-ce pas, qui ira à sa dérive. Voilà, il faut préparer les choses sur 20 ans. Pour l'heure, j'ai toujours dit, nous sommes une génération sacrifiée. Mais qu'est-ce qu'on fait sur 20 ans? Il faut commencer à préparer les enfants. Si nous arrivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, envoyer tous les enfants à l'école, et il y a aussi un suivi, c'est ça le problème, il faut les suivre. C'est pour ça que dans ma fondation, il y a une école des parents. On organise pour qu'on dise, parce que le papa, mais il ne sait même pas qu'il faut mettre un enfant à l'école. Il ne sait pas. Dans les villages où je tue, les gens disent, ah non, le petit, on l'a renvoyé de l'école, mais ça ne fait rien. Viens dans mon champ de cacao. Donc j'appelle le papa, il dit, mais cacao là, mais ça t'a apporté quoi?
À peine même tu as un sac de trucs. C'est un kilo de cacao. C'est ça, toi et l'enfant, vous allez vivre. Donc, tu ne penses même pas à l'avenir. Et c'est pour ça que nous avons mis en principe une ONG, n'est-ce pas, pour partager cette pensée, pour qu'au Cameroun, que les enfants camerounais aient à l'école, que les enfants centrafricains aient à l'école. Amen. C'est le seul problème qui reste à l'Afrique. Hein. C'est vrai que nous sommes dans la spiritualité en train de combattre les œuvres de la sorcellerie. Mais attends, les Blancs ici, hein, c'est vrai que la sorcellerie, ils ne croyaient pas à ça, mais ils ont aussi une connaissance intellectuelle. C'est ce qui les fait vivre. Aujourd'hui, si aujourd'hui nos enfants vont à l'école, mais ils seront les meilleurs. Amen. Parce que regardez la mémoire africaine, tu as tout, tu dois apprendre tout. Géographie, maths, tout dans ton petit cerveau. Là. Le petit cerveau. Et tu arrives à la maison, il n'y a rien pas à manger. À peine on te donne la nourriture, c'est banane braisée, le riz rouge. Va à l'école, tu es fâché. Vous comprenez? Mais si nous voulons que l'Afrique de l'avant, c'est commencer, n'est-ce pas, à soutenir l'école et puis encourager les gens. Amen. Amen. Malheureusement, chez vous ici, on dit aux enfants, là, ils n'ont qu'à apprendre comment on fait, excusez-moi, on fait l'amour aux gens, comment le sexe, son corps. Pourquoi c'est ça qu'on doit apprendre? Apprenez-le à compter l'argent. Amen. Amen. Il y a beaucoup à apprendre, apprenez-le à compter les héros. Donc, regardez, donc vous préparez une génération des enfants pervers. Parce que enseigner la sexualité est plus pratique que théorique. L'enfant va connaître ça. Mais attends, c'est grave. Que Dieu nous aide. Amen. Regardez un peu l'Europe, comment est en train de partir, surtout à partir de la France. Et l'Afrique a des valeurs qu'il ne faut pas négliger. Nous, le sexe. Mais attends, tu vas expliquer à papa, non? Il va te montrer. Piment partout là-bas jusqu'à... Tu vas crier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous pouvez aider les enfants, aidez-les. Donc le 6 ici, nous allons organiser. Nous avons besoin d'un quart au niveau de la fondation. Nous avons besoin d'un quart pour ramasser les enfants, les envoyer à l'école. Nous avons besoin d'un budget qui monte jusqu'à 20 000 millions. C'est possible, on peut l'avoir. C'est moi-même, j'ai pu travailler. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'on a dépensé 19 millions. Il faut envoyer les enfants à l'école, il faut entretenir. Ce n'est pas facile. Le problème, il faut avoir l'amour pour arriver là. Hein. C'est quelqu'un qui conscient un orphelinat. Pourquoi les gens ne s'engagent pas? Parce qu'il faut l'entretenir. Hein. Ah, il faut entretenir, il faut te mettre. Il faut entretenir. Mais moi, je suis plus à l'aise d'aider quelqu'un. Voilà. Quand j'aide une personne, je suis plus à l'aise, je suis dans la joie. Voilà. Quand je fonce une personne, je suis pas à l'aise. Parce que le Saint-Esprit en moi me permet d'aider. C'est qu'on a un esprit mauvais. J'ai bien expliqué les choses. Quand on a un esprit mauvais, qu'on cherche à nuire. Quand on a un esprit saint, on cherche toujours à aider les gens. Voilà, parce que l'esprit est saint. Et comme l'esprit est saint, on reconnaît ça par les fruits qu'on fait. On peut se lever un matin, consoler un orphelinat. On peut se lever un matin, penser aux autres. Penser à eux. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Voilà, donc le 6 en octobre, nous serons ici en train d'avoir une grande manifestation par la grâce de Dieu. Chacun a besoin d'avoir un don. Vous envoyez, c'est pas cahier stylo, on a besoin d'argent. C'est pour ça qu'on précise très bien. Amen. Amen. Voilà, on attend de bien organiser par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons inviter des gens, tout ça. Aidez-nous aussi, invitez aussi toutes ces personnes qui pourront nous soutenir. Ça sera vraiment une grande manifestation. On aura à l'écran, depuis Divo, depuis ce qu'on a fait là-bas, les enfants vont communiquer avec ceux de la salle. Et puis, ça sera un exemple qui sera copié. Voilà, on va inviter aussi les Camerounais, les Centrafricains, parler avec eux pour dire copier notre exemple. Allons-y, aidons, boostons nos États à pouvoir mettre l'accent sur la scolarisation de nos enfants. Sinon, l'Afrique va sombrer. Les Chinois se sont levés un matin, ils ont appris. En 1960, la Côte d'Ivoire était plus développée que la Chine. Mais ils ont appris, ils ont accepté tout le monde, ils ont appris à fabriquer les voitures. Aujourd'hui, ils sont les meilleurs. J'étais agréablement surpris de voir tous nos chefs d'État qui étaient, avec leur indépendance, Chine-Afrique. Et les Chinois qu'on banalisait dans le temps vont donner 60 milliards au continent africain. Vous comprenez? C'est pour dire que si vous apprenez beaucoup de choses, demain, vous serez utile à la nation. Mais si on n'a rien dans la tête, il sera difficile. C'est pour ça que mettons beaucoup l'accent sur l'éducation. Battons-nous pour ça, surtout pour ça, l'éducation. Ce n'est pas une question de prophète Crasso. Mais un enfant qui va à l'école, qui est bien éduqué, il peut se prendre en charge.
Voilà. Et son avenir est propre. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être boostés. Et en Afrique, nos enfants ont besoin, vraiment besoin de ça. Parce que pour nous, les enfants ne sont pas une priorité. Pour nous, en Afrique, l'enfant n'est pas une priorité. Non. Est-ce que la famille de bois son vin de palme? Et puis son riz couché, son grain, il y a ticleti dedans. Et puis la sauce là, ça fait crater en bas. Et puis quand il finit de boire, il rote. Où est Kwame? Est-ce que Kwame est vaincu? Il a mine serrée. Maintenant, Kwame, c'est banane braisée, rouge, c'est son petit déjeuner. Et va-t'en. Salut le papa, mais il mange le riz de veille. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Voilà, ça fait pitié. J'ai vu que dans le village, ça fait pitié. J'étais moi-même obligé de souvent réunir les enfants. J'achetais à manger aux gens, les enfants donnent à manger. Parce que l'enfant qui a faim, a plus fort de un grand. Un grand, même quand il a faim, c'est un problème. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Voilà, nous sommes en train de passer à une phase. C'est un entretien avec le prophète. Le prophète, il agit selon l'esprit. Il n'agit pas en fonction de ce que vous voulez, ou même ce que vous pensez. Mais il a la clé de votre solution. Amen. Amen. Du moins, Dieu lui donne une inspiration pour régler un problème. C'est à vous de rentrer dans le système. Voilà. Donc, on va revenir ici. Normalement, que tout le monde connaît. On a l'habitude d'enseigner sur Jean, c'est beaucoup important. 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset 9. Vous allez voir comment fonctionne le prophète. Souvent, les gens disent, ah, le prophète, ah, non, 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 ça dépend. Si vous voulez voir Dieu vous bénir, 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset 9. Je lis la parole de Dieu dans le livre au chapitre 2 Rois 5, à partir du verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Mmh. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Mmh. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. » Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. » Très bien. « Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Irrité, c'est-à-dire fâché, n'est-ce pas? Fut irrité. Et il s'en alla. Il s'en alla. En disant. C'est-à-dire qu'il n'a pas accepté en disant. Voici, je me disais. Voici, je me disais. Ça veut dire qu'il avait des cheminements, il avait des choses dans la tête. Voici, moi, je me disais. Il sortira vers moi. Il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel. Il invoquera le nom de l'Éternel. Son Dieu. Son Dieu. Il agitera sa main sur la place. Il agitera la main sur la place. Et guérira le lépreux. Et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas. Les fleuves de Damas. D'Abana. D'Abana. Et de Parpar, oui. ne valent-ils pas mieux que toutes ces eaux d'Israël? Mm. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Très bien. Il s'en retournait et partait avec fureur. Il s'en retournait et partait avec fureur. Fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent. Mais ses serviteurs s'approchèrent. Pour lui parler. Pour lui parler. Et il dit. Et il dit. Mon père. Mon père. Si le prophète lui demandait quelque chose de difficile. Si le prophète lui demandait quelque chose de difficile. Ne l'aurais-tu pas fait? Mais ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Très bien. Lave-toi. Lève-toi. Et tu seras pur. Lave-toi et tu seras pur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Allons-y. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Amen. Amen. Et c'est parce qu'on a compris, comme nous autres sommes habitués à ce texte, et c'est parce qu'on a compris, on a eu la même compréhension de la chose. Amen. Amen. La foi, Dieu n'exauce pas la prière. Il exauce la foi. Amen. Ça va peut-être vous faire bizarre. Combien sont ceux qui prient? Tout le monde prie. Mais tout le monde ne sont pas exaucés. Or, la foi, c'est la confiance qu'on fait en Dieu. Or, les gens, ils prient. Ils ne lui font pas confiance. Si j'ai prié, là, il y en a plein. Ouh, ils peuvent gêner. Il y a des gens, c'est leur spécialité à les gêner. Mais petites choses, ils sont impatients. Or, la foi
crée la patience. Quand tu as confiance en quelqu'un, tu es patient. C'est ça. La foi est une faible assurance de ce qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. C'est ça qui est très bien. Si vous croyez que Dieu existe, banalisez vos problèmes. Amen. 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 Alléluia. Amen. Façon, venez vers le prophète. Le prophète, il a trop de soucis. Mais moi, je suis là. J'ai ma foi en Dieu. Il y a des gens qui sont là acheter tous les journalistes de Côte d'Ivoire pour que ça lit mon nom dans tous les journaux. Ça lit mon nom sur tous les sites. Parce que je suis en train de faire une grande église. Mais moi, je suis là. Je continue mon chemin. Je n'ai pas de problème, les gens. Gardez votre foi dans le Seigneur. Un obstacle ne veut pas dire, quelque chose qui vous arrive, ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. C'est ça le problème des gens. Quand ils voient quelque chose arriver, ah, Dieu m'a lâché. Non! Quel est l'enseignement que Dieu veut t'apporter vis-à-vis de certaines choses? Moi, il y a des événements qui me sont arrivés graves, terriblement. De la trahison, de la traîtrise, beaucoup de choses. Mais j'ai tiré une leçon de ça. Tout ce qui nous arrive est un miracle déguisé. Dis Amen. Amen. Mais oui. Avec le temps, vous découvrez le vrai visage des gens. Gloire à Dieu. Mais on avance. Mais on prie. On n'a pas la foi. Je me dis, mais pourquoi il ne m'a pas touché là? Pourquoi il ne m'a pas fait là? C'est ça le problème. La femme qui venait, il y a d'autres mecs qui disent, mais il ne m'a pas bien reçu. Mais je vais te recevoir comment? Nia. Il n'y a qu'à te faire asseoir dans un salon, Louis XIV, te donner à boire, coca, croissant. C'est ça, des ressources. Moi, je ne suis pas là pour ça. Non. De toute façon, ce que je voulais. Voici le problème de Naaman. Voici l'histoire. Le monsieur, il est malade. Il quitte la Syrie. Il vient parce qu'il a la lèpre. Il veut se faire guérir par un prophète. Le prophète dit par quelqu'un, un messager, va, dis à ce monsieur-là, pour sa guérison, on n'a qu'à plonger 7 fois dans le Jourdain. Il est fâché. Parce que le prophète ne l'a pas touché. Et puis le prophète ne l'a même pas respecté. Frère, est-ce que c'est une question de respect? Tu es malade, oui. On dit pour ta guérison, va plonger 7 fois dans le Jourdain. Il dit, je me disais, il allait venir. Mais tu te disais comment? Le prophète a voyé une solution, il dit, si tu obéis à plonger 7 fois dans le Jourdain, mais tu es guéri. Amen, amen, amen. Et tout ça, toi, ça t'énerve. Le prophète, excuse-moi, ma fille. Le prophète, ce n'est pas un prieur. Non, c'est un apporteur de solutions. Amen. Ce que tu dois faire pour être guéri, là, c'est qui te dit? Amen. Amen. C'est tout. Les gens veulent qu'on te touche. C'est vrai, il y a des centres de délivrance où on doit orienter ta vie. Il y a une action prophétique à mener. Amen. Il y a une action. Amen. Tu vas trouver ça peut-être bizarre. Mais l'obéissance, l'action prophétique nécessite l'obéissance. Amen. Le monsieur lui dit, va plonger dans le Jourdain. Il regarde le Jourdain. Ça sent. C'est comme la Seine. L'eau sale. Mais monsieur, tu es impur. La lèpre veut dire quelqu'un qui est impur. Et la maladie qu'il avait, dans les mois qui suivaient, il allait être déclaré comme quelqu'un isolé. Parce qu'en cette époque, quand tu as une maladie qu'on appelle la lèpre, tu es isolé. Tu as quelques des mètres, kilomètres du village. En passant, tu mets une cloche au pied, tu dis impur, 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 impur. Et tu as peur de rentrer dans l'eau. Or, l'eau, c'est symbole de purification. Amen. Oh, tu es impur, il faut qu'on te purifie. C'est une action prophétique. Il n'avait pas besoin de prière. Lui, il voulait que Naaman, Élisée vienne vers lui. Il dit, je me disais qu'il viendra vers moi et qu'il invoquera son Dieu. Il n'a qu'à prier. Mon frère, lui, il a été inspiré par Dieu de poser une action. Va plonger dans le Jourdain. En faisant la délivrance d'une fille, d'une sœur, Abidjan, chez elle-même, elle est possédée comme un chat. Possédée. C'est-à-dire que tu ne peux pas la maîtriser. Elle mord tout le monde. Mord tout le monde. Elle possession comme ça. On ne peut pas la maîtriser. Vous avez vu la dernière fois dimanche, non? Vous avez vu dimanche? C'était grave. Elle casse tout. Qu'est-ce qui se passe? On a demandé, l'esprit dit, il s'appelle Tano.
Or, Tano, c'est une rivière chez les Aïnis. Tout ça. D'Aspi des eaux. Donc, on cherche. Moi, je suis resté un moment donné, je dis, mais attends, quel démon qui me fatigue depuis là? Ça fait une heure. C'est pour ça que c'est beaucoup important. En tant que prophète, je me retire, je regarde, j'observe. Les gens transpirent. Vous connaissez les maisons d'Abidjan. À ce que j'ai, il n'y a pas de climatiseur. Ventilateur, mais il est vaincu. Ventilateur, il est vaincu. Ça peut être blessé, ventilateur. On transpire, on a chassé le démon. Tout ça. Puis le Seigneur m'a dit, va au robinet. Prends de l'eau dans un récipient et viens, jette ça si elle et prononce ta parole. Quand j'ai reçu le rima de Dieu, j'ai dit, dégagez. L'esprit me dit comme ça, ah, tu me veux quoi? Il dit, reste tranquille. Toi, j'aime pas ta tête. Il dit, mais tu ne vas pas m'aimer parce qu'on n'est pas dans le même lot. Si tu m'aimes, c'est pas bon. Ah, c'est ce que vous dites ici. Tu peux me faire quoi? Tu n'as rien. Il dit, mais tu es orgueilleux, tu es athée. Les démons sont athées. Tu es athée, puis tu dis, rien de fait. J'ai pris l'eau et j'ai regardé. Ah, j'ai aspergé l'eau la sienne. J'ai dit, à partir de l'eau, tu rentres en contact avec l'eau. Le temps noué et tu sors. Les minutes. Ah! Elle est tombée, délivrée. Amen. On s'est regardé droit. On s'est regardé droit dans les yeux. Amen. On s'est salué. Sinon, on allait rester deux jours. Allez, moi, placali, venir encore revenir chasser. Parce qu'il y a les démons qui creusent le ventre. Quand tu finis de chasser, tu as faim, tu veux manger. C'est une inspiration. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus, il prenait la boue et il mettait sur les yeux des aveugles et les guérissait. Monsieur, on dit, va plonger dans le Jourdain, tu es fâché. Non, pour toi, il n'a qu'à prier. Pour toi, il n'a qu'à toucher la lèpre. Mais il dit, c'est pas ça qui doit maintenant te soigner. Va, obéis. Or, les gens, amen, ils ont ce problème-là. Ah, c'est pour cela que je suis venu à la réception. C'est à cause de tout ça, il me dit, mais pourquoi venir à la réception? Amen. Amen. Est-ce que vous savez que le simple fait que vous rencontrez un homme de Dieu, dans la, c'est Dieu qui vous parle au travers de lui. Amen, amen, amen. Parce que nous, chaque rencontre, c'est inspiré. Il y a un monsieur, tous ses comptes, les gens le devaient, l'argent, tout était bizarre. Ok. Il est venu me voir. Il faut que je prie pour lui. J'ai dit, je n'ai pas prié, fait. Tu vas faire son prophétique. Il me regarde. J'ai dit à son prophétique, il dit 5h30. Il me regarde. Tu sors. La voix qui passe chez toi, là, devant, là. Tu verses lui, puis tu parles. Tu donnes tout ce qu'ils doivent, là. Tout. Tu dis leur nom. Tu fais ça 7 fois. C'est lui qui court maintenant après moi. Il dit, mais je ne comprends pas, les gens m'appellent. Les gens m'appellent. Parce que l'action qu'il a posée, ils ont commencé à courir. C'était une action. Amen, amen, amen. Chacun amen, dit, il va lui donner. Oh, c'était un franc Christ. Ah, alléluia. Il est passé partout. On a eu le remède. Va faire ça. C'est pour ça que quand vous rencontrez un prophète, il a une action prophétique. C'est pour ça que les prophètes, ils te regardent. Et puis, il dit, fais. J'ai expliqué, j'ai l'habitude d'expliquer la situation de la femme qui était stérile. Une femme, elle est stérile. Elle vient me voir. La médecine a déclaré stérile. Ok? Elle me regarde dans les yeux. Je lui donne rendez-vous. Elle est fâchée. Bon, avec une mine bizarre. Et puis un matin, je dormais. Le Seigneur m'envoie dans mon bureau, sèche ta deux plateaux. Je regarde dans le registre. Je vois le nom. Dieu me dit, appelle la femme. Je l'appelle. Je dis, Dieu t'a exaucé. Tu auras des enfants. Elle dit, amen. Comme tout le monde. Hein? Amen. Et donc, je donne rendez-vous au bureau. Elle vient au bureau, à mon bureau, je parle avec elle. Je dis, je suis très content parce que Dieu m'a parlé de toi. Amen. C'est pour ça que soyez beaucoup patients quand vous êtes avec les prophètes. Soyez beaucoup patients. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai parlé avec elle, j'ai dit, ben, Dieu m'a dit qu'il te donne des enfants aujourd'hui. Tout le monde dit amen. Amen. Amen, amen. Ok. Elle avait une camisole, c'est pas comme en Afrique, ici où on parle, camisole, tout ça. Elle attachait deux pièces. J'ai dit, j'ai fait un truc. Le Seigneur dit, prends, dis à la dame de faire comme si elle était enceinte, n'a qu'à attacher. Chose bizarre. Hein? Ah oui. Dieu souvent l'agit dans la bizarrerie. Et puis attache ça comme si tu étais enceinte. Elle m'a dit, j'ai dit, c'est bizarre. C'est comme ça, normalement, il a vu ça très bizarre. Donc, du coup, il a rejeté.
Vous comprenez? Il voit bizarre. Comment lui peut aller plonger dans le Jourdain cette fois? Pourquoi? Est-ce qu'il est venu en fait de l'eau? Il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce qu'il a dit qu'il a chaud pour aller plonger dans le Jourdain? Est-ce que chez lui, il n'y a pas Alabama, il n'y a pas papa là-bas? Pourquoi il va venir plonger? Mais pourquoi? Est-ce que cet homme-là, même si c'est un vrai homme de Dieu? Mais justement, c'est la conclusion des gens. S'il dit ça, est-ce que c'est Dieu qui lui parle? Comment Dieu, et puis c'est de l'eau? C'est pas Mami Wata. C'est pas l'esprit des eaux. C'est pour ça que vous ratez les bénédictions. J'ai dit à la dame, elle m'a dit, elle s'est assise un peu, et puis elle a pleuré pour me donner. Elle dit, papa, j'ai dit oui. Elle dit, tu connais le site? J'ai dit, quel site? Elle dit, aferai.com. J'ai dit oui. Elle est chez moi, elles ont fait le site. Chez nous, là, tout le monde, on m'insulte. Ça dit, chacun, tu as mangé aubergine, on sait. Tu as mangé jacavra, on sait. Tu as mangé jajina, on sait. Moi-même là, mon nom là-même là, c'est Koulaba chez eux. Maintenant, j'ai mis un truc là. Ah papa, le site là-même là, c'est mon nom qui sera là. Mon nom est déjà sur le site. Tu vas envoyer encore mon nom sur le site. Et c'est là-bas qu'ils ont fabriqué aferage.com. Il dit, ah donc les gens parlent de toi. Elle dit, oui, chaque jour on dit je suis stérile. J'accepte ça. J'ai dit, très bien. Je lui ai dit, c'est à cause de Pénina que Anne a eu un enfant. Amen. Dieu, je comprends pourquoi Dieu cherche la bouche des gens. Amen. Elle dit, hé hey, papa, c'est vas-y là. Elle dit, oui, moi j'aime un truc, j'ai allé à la maison comme un... Ah papa. Elle veut toucher ma sensibilité. Je lui ai dit, non, reste tranquille ma fille. Je suis convaincu que c'est Amen. Dieu Amen. Qui est en train de me parler. Amen. Ma conviction, là, ça ne m'a jamais trompé. Amen. Elle a mis ça, elle a fait. J'ai appelé son mari, je l'ai préparé. Bah, lui, c'est un homme. J'ai dit non, voici, je l'ai préparé. Et elle est partie. C'est pas comme chez vous, il y a ascenseur. Hein? Chez nous, si c'est au 5e, si c'est 10e, tu vas marcher au escalier jusqu'au bout là-bas. Petit garba, t'as mangé en bas, là, ça va disparaître dedans. Et donc, du coup, tous ceux qui la voyaient, dit, affaire a commencé, le site, ils ont commencé à mettre sur le site a commencé à t'activer. Ça a pris maintenant, quand un Africain dit, une fille, une femme africaine, ça va dire, elle va appeler tout le monde. Est-ce que vous savez ce qu'il y a vu? Est-ce que vous savez ce qu'il y a vu? C'est Marie ou bien c'est la maman de Jésus, grossesse soit et con comme ça. Comme ça, tu as les visites. Tu peux me donner sucre, tu peux me donner aubergine pour voir. Ce jour-là, elle a eu beaucoup de visiteuses. Non, pour voir. J'ai oublié qu'il mangeait. Hein. C'est pour voir. Hein. Pour visiter le site, pour voir si c'est confirmé. C'est confirmé. Donc, la fille, matin, elle dit qu'elle est descendue pour aller acheter le pain. C'est terrible dans la truc. On la pousse, mais pour dire, tu n'as pas honte. Depuis quand la grossesse est sortie comme ça? Et encore pire, j'ai dit, après une semaine, ça fait 7 jours, elle neve le chiffon et puis reste comme ça. C'est pour ça qu'elle pleurait. Elle a pleuré, elle a dit, papa, si tu connais mon site, tu connais chez nous le site là, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. J'ai dit, Dieu va opérer les miracles. Mais ce n'était pas facile hein, pour elle. Hein. Ok. Et puis, une semaine après, elle a neveu. Ah là, c'est grave. Ils l'ont arrêté pour lui dire, on y a une réunion. Ta propre vie. La grossesse là. Tu penses que nous, on ne savait pas. C'est ton mari, tu viens, tu trompes. C'est lui, hein. Sinon, nous, on sait que tu ne peux pas faire enfant. Hein. On sait que grossesse, là, c'était amusement. C'est où? C'est sorti un coup, ça a disparu un coup, c'est genou bien. Elle a commencé à pleurer, elle m'a appelé, je l'ai consolé. Elle dit, le site, là, c'est franchement, oh, je suis en train de me... Donc, ça a pris au marché. Si ça a commencé dans le site, dans l'humain, c'est que toute la ville, le marché, c'est toi. Elle dit, toutes les femmes du marché me regardent. Je l'ai soutenu en prière.
C'était pas facile pour elle. Un mois, deux mois, elle est persécutée, elle est persécutée. Ça, trois mois après, elle m'appelle, elle dit, il y a quelque chose qui se passe, il y a des symptômes de comme une femme qui est enceinte, je vomis, blablabla. Mais elle-même ne croyait pas. C'est ça aussi. À un moment donné, ma foi était à l'œuvre. C'était difficile, mais elle a obéi. Hein. C'est ça qui était intéressant chez elle. Amen. J'ai dit, va faire des tests de grossesse. Elle a fait. Elle a dit, je suis enceinte. Banalement, comme ça, elle m'a répondu, que je suis enceinte. J'ai dit, elle dit, ma fille, ce qui m'a plu chez toi, c'est que tu as commencé, tu as achevé, tu as accepté. Le fait que tu as accepté de faire l'action prophétique, Dieu t'a déjà exaucé. Je m'en fous si tu ne crois pas. Amen, amen, amen. 4 mois, 5 mois, maintenant c'est sérieux. Les femmes là-même viennent encore. Ça va? On doit envoyer une femme qui est dans, quoi, la même, responsable des femmes de l'immeuble. Ici là-même, c'est difficile. Moi, j'aime bien vos manières de faire. Personne ne s'intéresse à quelqu'un. Nous, on veut tout savoir pour garder. Et que ta grossesse l'a fait combien de mois? Ta propre grossesse, ça intéresse tout le monde. Que la dernière fois, bon, mais cette fois-ci, on va suivre la grossesse. Comme c'était gynécologue, c'est comme si c'était gynécologue. On va suivre la grossesse parce que on aimerait faire des cadeaux. Voilà. Parce que l'enfant là, quand c'est comme ça, elle veut voir. Donc on soulève un peu, elle voit le ventre. Elle n'est pas trop convaincue. Parce que c'est pas génie. Il vient une semaine puis disparaît. Et puis ils ont commencé à suivre. Tous les matins, on le rendait visite, on regardait pour voir l'évolution. Et puis un matin, elle a dit, si on travaille, tout. Les gens ne croyaient pas. Comme c'est comme ça, ils sont tous ramassés dans le taxi. Ils sont allés. Arrivés là-bas, elle est en travail. Elles sont là pour en train de regarder comme sorcières. Elles ont tous regardé. Elle pousse en travail. Pouf, une fille sort. Amen. Elle accouche. Amen. Maintenant, la sage-femme dit, il y en a encore. Amen. Elle pousse amen. Encore, voici un garçon. Donc, Shalom, Joël et Shalom. La fille s'appelle Shalom et le garçon s'appelle Joël. Amen. Mais c'est là le quartier amen. A commencé à la prendre au sérieux et son témoignage était puissant. Son nom a été effacé sur le site. Son nom est... Ils ont cassé le site. Le site a été détruit. À Ferrari.com, ça a déménagé. Amen. Ça allait ailleurs. Amen. 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 Je suis allé consacrer les enfants, je bénis. Ne jouez pas la parole du prophète. Amen. Je reviens sur le témoignage de la soeur qui avait l'insuffisance rénale. Je l'ai fait boire toute une bouteille, le contenu de toute une bouteille. Elle a commencé à boire la bouteille, elle a bu la bouteille. Elle a fini. Elle était assise, elle me regardait. Il dit, c'est fini. Quand elle rentre à la maison, les toilettes, elle ne fait pas ça. C'est-à-dire, un grand signe. Elle est aux toilettes. Donc, 2 jours après, elle va faire de la dialyse. Elle part pour la dialyse. On regarde, on dit, mais tout est normal, on ne peut même pas te faire une dialyse. On regarde ses reins, elle a le rein d'un nouveau-né, c'est-à-dire bébé. Amen. Dieu vient de amen. Remplacer amen. Amen. C'est ce qu'on appelle action prophétique. Donc, comme je vous ai expliqué là, un frère, en 2015, qui avait des situations difficiles, ses papiers, tout ça, la sorcellerie, avait tout bloqué dans sa vie, Dieu a fait disparaître ses papiers. Son père, il a fini les funérailles de son papa. 1 mois, 2 semaines après, il perd ses papiers. Il ne sait pas, il est sorti de métro, tout ça. Il a perdu tous ses papiers. Il ne peut même plus. Il panique, tout ça. Lui, mais il est convaincu de sorcellerie. Parce qu'on l'a averti hein, au village. Hein. Ils lui ont dit, hein, les funérailles que tu as fait là, c'est fini pour toi. Parce que les gens voulaient l'argent, ils refusaient. Il est dur, ils refusaient. Parce qu'il avait peur de ça. On dit, toi, ce qui devient de fait. On t'a demandé de donner l'argent pour les sacrifices, tu as refusé, c'est fini. Ok. Il a perdu ses papiers. Heureusement qu'il a commencé, lui on dit, mais le prophète Crasso, moi je recevais les gens sur le Skype. Il dit, va, le prophète Crasso, faut le contacter. Puis, heureusement, je recevais tous les mardis, je crois, sur le Skype. Je prenais rendez-vous, c'est pas facile. Hein. Souvent, il prenait sur Skype, puis il délivre. Les gens cassent l'ordinateur. Oui. Pendant qu'il est en train de prier, tu vois la personne... Tu vois le noir, tu as déjà compris que c'est possédé là-bas. Tout est gâté. Ils ont trop cassé d'ordinateur. C'est pour ça qu'ils ont changé de stratégie. Donc le frère, il prend la bouteille.
On avait des huiles ici. Donc, il commande les huiles. Donc, on prend le rendez-vous le mardi. Mm-hmm. Le mardi qui suivait, donc, il était au rendez-vous. Il prend la bouteille, une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles, quatre, cinq, six, sept bouteilles sur lui. Quand il a fini les sept bouteilles sur lui, j'ai dit, OK, bravo. Tu as fini, il dit oui. Je lui ai dit, va, regarde dans ta chambre. Mm-hmm. Regarde dans ta chambre et puis mets ta main sur ton lit. Mm-hmm. Il met la main sur son lit. Voici tous les papiers. Il fait ressortir tous ses papiers. Il monte. Amen. Je lui ai dit, ainsi parle l'Éternel. Dieu me dit, pendant qu'on était en train de faire l'action, un ange l'a dépêché, un ange t'a envoyé les papiers. Amen. C'est pas une question de jeûne et prière. J'ai vu beaucoup de choses dans le Seigneur. Amen. Amen. Je suis prophète. Amen. Amen. Ce qu'on vous dit, c'est ce qu'il le fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous fortifie. Soyez bon courage à vous. Amen. Nous allons nous entretenir. Le prophète n'a pas besoin de beaucoup de choses. Tout ça. Viens. Parce que pendant que je parlais avec toi, je voyais une femme blanche qui faisait des incantations sur ta tête. Et puis, je voyais comme des écureuils qui couraient au niveau de ta tête. Ça fout comme ça. Dieu va te libérer. Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Comme tous les jeudis, nous recevons, je vais commencer la réception. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ça va, qu'est-ce que tu ressens? Ça va? Ça va. Ouais. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu sens? Allez. Libérer son corps, ou libérer sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis ton pouvoir dans ce corps. Je neutralise ton pouvoir dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, la puissance de Jésus. La servante de Dieu va poursuivre sa délivrance. Voilà, poursuivre sa délivrance, la main de Jésus. Lâchez-le. Libérez-le. 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 Lève-toi. Qu'est-ce que tu ressens? Aussi. Qu'est-ce que tu ressens? Ça fait bizarre dans mon corps. Je me sens tout vide. Et. Vu quelque chose qui sortait de... C'est ce que je veux entendre. Quelque chose est sorti. Du corps. Oui. C'est comment ça y est? Tu as ressenti comment? Que ça faisait comme quelque chose qui... Comme si j'avais une envie de vomir. De vomir. Et puis ça m'a bloqué un peu là. D'accord. Et la respiration qui a été un peu bloquée un petit moment. Comment? Hey! Comment? La puissance de Dieu. Libérez-le. Libérez-le. Il en avait 37 démons. C'est 37 esprits. Il n'en reste maintenant que 32. Ça dit encore. Voilà. Ou libérez totalement sa vie par la puissance du nom de Jésus. Je vous commande par vague de 3-3 et vous partez de sa vie. Au nom de Jésus. Partez et libérez-le. Partez et libérez-le. Le nom de Jésus, la puissance de Dieu, chasse.
tes œuvres. Voilà. Sors-les. Hey. Allez. Allez. Au nom de Jésus. Allez. Voilà. Allez. Allez. Libérez-le. Allez. Sors-les. Libère. Libère-le. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Cours, allez. Sors. Sortez de lui. Voilà, libérez-le. Au nom de Jésus. Vous le libérez. Vous le libérez maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Lâchez-le. Voilà, il y a cinq esprits. Il y en a cinq. Mais ce sont comme les écureuils. Sortez. Voilà, sortez. Voilà, sortez. Allez, allez, hey, comment? Feu! Allez, sortez. Libérez-le. 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 Au nom de Jésus, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te libère. Allez! 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 Libérez-le. Il entend le vomi du sang. Allez! Oui, Jésus te libère. Jésus te libère. Non, reste en vain. Allez! La puissance de Jésus. Mets-toi, 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 mets-toi. Dépose ça. Allez! Le feu! Lâchez-le. Lâchez-le. Libérez-le. Aujourd'hui est le jour de sa délivrance. Vous le libérez. Libérez-le. Libérez-le! Allez! Allez, allez. Voilà, libérez-le. Libérez-le. Allez! Allez, sortez. Sortez son corps. Libérez-le. Voilà. Sortez le nom de Jésus. Vous le libérez maintenant. Allez. Le feu consume vos œuvres dans ce corps. Et la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ te libère maintenant. Jésus te libère maintenant. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Reçois-la. 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 Lève-toi, lève-toi. Comment tu te sens? Ah ben moi, c'est tout à l'heure déjà. Hein? Je sens plus trop. Avant, j'étais complètement vide. Là, je me sens. Mais comme si tu étais. Que c'était sorti, quelque chose qui était sorti. Le mal était sorti et je me sens beaucoup mieux que... Mieux qu'avant. Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Voilà, c'est fini. Tu es libéré. Voilà, tu es libéré. Tu es libéré. Jésus, vous voyez comment c'est parti du tic au tac, c'est comme ça le prophétie? Amen. Du coup, papa, c'est comme ça. Voilà, Dieu vient de te libérer. Merci. Amen. Amen. Voilà, sois béni. Va t'asseoir.